Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Tchou Les Courses. Nous entamons cette semaine la 19e et 20e journée, donc 8 week-end des Courses. Week-end des Courses qui est un peu fatidique certes, mais nous avons quelques jolies joutes donc, à présenter, à analyser. Sur le plateau, comme invité, le propriétaire d'Amanda. Propriétaire chez Rameshwa Gazada, c'est Selvom Moutien, je ont déjà découvert dans mon émission précédente l'année dernière, si vous ne pas trompez pas tromper. Selvom, bienvenue dans l'émission. Et bien sûr, à mes côtés, Naushad, Naushad qui est là pour nous, de nous donner davantage d'infos et pour aider nous aussi dans mon analyse. Rapidement, sans tarder, nous vous avons fait un flashback de la semaine dernière. Et la semaine dernière, nous finissons deux victoires qui vraiment vraiment... Comment nous dire They were the Pole Attractions, comment nous dire. Nous finissons dans la super prestation de Wolves of Dubrovnik qui réalise un 8 à la suite. Andy Manrock ou aussi de Moss qui réalise 8 à la suite. Nous continuons à l'Alli en 1981. Nous finissons dans Rover, qui réalise un 7 à la suite. Mais Rolls-Off du Rovnik reste invaincu sur notre sol. Quel parcours pour ce couchier qui peut continuer. Passe Bantès, oui, il réalise et les courses parfaites malgré des circonstances difficiles. Quand il prend des pas moyens, il retrouve lui enveloppé un rideau couché devant lui. Mais le jockey fait le nécessaire, trouve le gap au moment voulu, monte lui avec beaucoup de confiance. Et dans les 100 derniers mètres, c'était un super rolls of du Rovnik. Même si à un certains moments, Blackburn Rock, type peut faire paire. Il y a un incident dans les courses, il y a une longue affaire pour causer là-dedans, c'est concernant Maroding, le là, après les flashbacks. Narshal, nous fait là aussi, la super prestation. Sans surprise de Million de dollars, même, notre invité de la semaine dernière, Dinesh Souful, a été exact au rendez-vous, comme prévu, son banker, Captain Garrett. exact au rendez-vous, et millions de dollars, même, qui continue son ascension, il dépose de chaque bord tel un acteur, qu'on nous dit, tel un turbo, un turbojet en ligne droite. Et quel parcours pour ce qui commence sa carrière en 015. Aujourd'hui, l'infini gagne succès en B61. Tout le mérite revient au propriétaire, au jockey qui le monte, et surtout à l'entraîneur. Sans oublier les track riders et le jockey, et surtout tout le beau monde entourant ce coussier. très belle performance. Bien un très bon poussé de de Ward. Et après sa victoire, il est éligible euh, pour, euh, pour le Médène. Maintenant, il reste à savoir s'il si vous gagner ce place au départ. Surtout qu'il euh, y a plusieurs chevaux qui, à ce stade, capable galper la grande course qui peut vous disputer en début du mois d'octobre. Bien sûr, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à défaite de millions de dollars. l'année dernière, on connaît. Il y a une défaite qui tirait à travers la gauche, il ne faut pas nous hésiter pour les là Souvent, quand on une cause une courses, quand on critique la montre, man, 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 on Ou prix d'assaut. Ouais. Ah, qui se te connaît ah, Pas d'autres qui montent cheval, mais je dire, là, ça donne raison beaucoup, beaucoup, des milliers de personnes. Donc, finalement, l'incident la semaine dernière, c'est concernant le marauding de l'écurie gazada. marauding, au départ, un départ, que beaucoup de gens ont appris Mahouding marauding perdit 6, 7, 8 longueurs au départ. Bon, après la course, durant la semaine, on regarde le film, quand on regarde le film, on zoom Et quand on regarde Marauding, la porte stalle ouverte, ce n'est pas le cheval qui est fautif. Ou tout le peut continuer à être Le cheval peut l'aguer avec le pour débarrasser du hennelet pour prendre son départ. Le la porte stalle finit ouverte, continue à être La question. Was he denied a fair start? Was the horse at fault when he missed six or seven lengths? Mon quoi la réponse est non Beaucoup de professionnels de course, ils lèvent la voix. Ce matin, moi, et y a Ocha, nous, chat à l'entraînement. Nous, avons a deux ex-entraîneurs qui sont à nos côtés. Nous ne ce film-là ensemble. Les deux ex-entraîneurs, souris d'expression, ne restent bouche-bouée. Je dis dire, inadmissible. Monsieur, commissaire de courses, un chief style, l'Ibisan est là pour assurer les codes de course. C'est lui qui a assuré qu'il publie un fair run for their money. Mais si y a une décision pareille, il ne faut pas nous payer pour dire, nous ne pouvons pas venir des corps plus qu'on est qui stipe ou le chief stipe, mais c'est un affaire clairvoyant, nous, si nous sommes professionnels, pareil comme nous, il y a beaucoup de personnes escient et bien intentionnées qui care for the public, qui sont que le public gagne fair run for their money, ça dépend de marauding là, si vous venez de dire, moi, marauding qui faut TIF pour ça dépend qui prend là, non, messieurs, ça cheval là, beaucoup de d'immunes, beaucoup de professionnels, beaucoup de d'immunes qui vraiment comprennent les causes, qui connaissent get le film, de dire Où si vous dit là non pas autant. c'est une chose très très grave une explication mérite d'être donnée surtout au betting public parce qu'il nous besoin et non considération et respect pour sa betting public là et autres questions et dans pas droit de réponse nous venons avec nous invités du soir Selvom Moutien Selvom, c'est un homme très heureux après la victoire d'Amman ouais. là c'est allé partout la semaine dernière nous s'accoudait une bonne chance ouais. et il a été exact au rendez-vous même si une de mes à froide quand Anderson à un moment à mini droite si, il peut faire figure de vainqueur. Non, moi, je suis pas encore qu'il est pour gagner Au contraire, vor, e, samedi soir, je suis en train de voir, je tout bané émission qui est là pour essayer de guetter. Est-ce qu'il m'a bien gueté ou bien il fait une erreur Il y bien des gens qui de montrer la confiance envers ce <fique> cheval. Bien sûr, il un peu ça peut faire peur. Mais le fait qu'il puisse venir après des semaines, l'eau pas beaucoup plus long. Et le fait qu'il ait une galop 10 contre des gens qui la dernière fois, vraiment très en confiance. C'est tout truc que mon cheval, il improve. Je encore rappelle 4-5 semaines de là, c'est si j'ai un entraînement qui...

euh, surtout qui euh, moi, euh, moi même qui amène toujours jean genre d'écurie etc je suis envie récompense mais pas une victoire et euh, voilà et c'est même la victoire d'Amanla mais aussi Guapo en Afrique du Sud une ouais. ouais. très bonne semaine alors très bonne deux semaines mon gars Danilo euh, mon ouais. gars trois victoires consécutives en fait Danilo Amanla et puis Guapo ouais. et lundi nous acquis un cheval Royal Sovereign et nous peut négocier pour prendre euh, 4-5 en Côte en cause et là, nous avons grandi dans l'équipe, nous avons nous un petit peu l'équipe qui on ont envie d'investir dans, dans, dans le cheval. Vous mm. pensez qu'il nous manque ce val de Maurice, qui nous a beaucoup de, monde qui a des de Mother, des gens qui ont investi, qui sont passionnés, bien sûr, nous avons une façon de travailler. Je vous trouve dans l'entraînement souvent, c'est moi qui, devant, mais dans mon camarade d'ailleurs, oh. mm. à qui je suis accountable, je m'envoie toutes les informations qui me bien. Nous, nous avons une équipe et nous suivons ce nous val, okay. une bonne façon of working. Et nous grandi là parce qu'il nous gagne le succès. Nous, quoi c'est là, c'est ma sixième victoire euh, enfin, avec avec Valdés enfin septième victoire plutôt parce qu'il m'a gagné les courses avec euh, avec Danilo. Et moi c'est assez, assez euh, confiant qui nous nous pouvons grandir et nous capable euh, faire beaucoup de monde euh, vivre ça l'expérience que nous, nous nous vivons là parce qu'être passionné de course c'est une chose, investir c'est autre chose et aussi avoir savoir ce qu'on fait ça c'est. important. alors certainement quelques infos pour nous. Oui, euh, nous fait ressortir que le jockey Anthony Andrews pas en selle ce week-end. Il retient sur, sur l'appel par rapport à Nimitz euh, qui tient au départ euh, en action lors de la sixième journée, qui se passe de, deux journées. Alors il prend euh, suspension et qu'il part en ce week-end. Il peut faire son retour euh, lors de la euh, 21e journée qui est euh, associée à Cotelbus dans la Lightning Cup. Sinon Anthony per percumule ban suspension depuis ses débuts cette année pour Patrick Mervin. Durant la semaine, il coupe trois journées de suspension sous le règlement 208D. Cela pour interférence dans la septième course de la journée précédente Ce du le cheval de Thomas en ligne droite. Sinon, à Hong Kong, notre compatriote Karis débute la nouvelle saison 2022-2023. Ce dimanche, il y a une full à sa disposition et qu'il y en a un très bonne monde à cette occasion. Il y a une très bonne chance pour démarrer la saison sur une bonne note. Voilà, un peu sans touche. Nous passons à l'analyse de la journée principale de la journée de samedi, la 19 e journée. Euh, L'épreuve les, les si c'est euh, la deuxième manche du championnat des sprinters sur 1365 mètres. Il mm -hmm. y en a euh, six partants euh, au départ. Le premier, c'est Triple Fit Line. Heller, Al Rams, Arizona Silk, Liquerio et N. Ewe. Eh Ça oui, touche un incousé qui paraît très, très bien actuellement. C'est Triple Fit Line, surtout en l'absence de Color My Fit. Certainement, Nanchat, c'est un cheval qui est rapproché de ce premier succès et 2022. D'ailleurs, ces deux dernières sorties, enfin, de mauvais. Second derrière fait. Troisième, second derrière, Padre Pillé aussi. Battu de peu, hein, longueur 10, 0.60. Il continue à improve à l'entraînement. C'est un cheval bien facile pour monter, très facile au train, percutant au finish. Et l'avantage de Triple Fait là, il y a un bon numéro dans les boîtes. Il y en a way à son intérieur. Mon col est plus rapide que VAR-N-Way, mon pensée est il y a un Et il peut trouver devant VAR-N-Way Par la suite. Bien sûr, est pour d'aller, et donc il pour gagner bon cover, il pour lancer tranquille sur les bas. Le jockey André Luiz da Silva n'est qu'un important les 300 derniers mètres pour lui mettre en évidence. C'est un cheval qui inspire confiance, c'est un cheval qui est doté d'une belle régularité. Donc, vous faire confiance à Triple Fate Line. je balance, il prend plusieurs kilos, mais quand on get en look c'est pas pareil de ça. C'est un cheval qui permet les blinkers, première ligne, sur course de rentrée des Walls of Dubrovnik. Parce qu'il fait fait rien de mauvais, au contraire, il fait des courses above expectation, même s'il si est à cours de conditions. Final longue à 75 de Walls of Dubrovnik. C'est un cheval qui vous termine très très bien avec 53 kilos, il y a un bon finish. C'est un cheval qui généralement il peut terminer dans 36, dans 24, donc il peut là. Alors, troisième place dans les courses, vous Il est dans la forme de sa vie, l'IKEIO, il peut gravier des échelons, 36, 41, 51. Il peut passer bande cap avec Brio la dernière fois, même il monte dans 51. avec un septième nid, il gagne des courses plus qu'il longueur. Donc un cheval, il retrouve sa confiance là, il retrouve sa, sa forme là. Il ne faut pas régularité, il peut sa donc, moi, je les chevaux de l'écurie amortiudia, vous répètent de bonnes performances. Donc vous pour mettre dans les bonnes combinaisons. Triple Fateline, Ikeayo, Vaunewey pour compléter le TLC, pour compléter le Quartet, à tête. Hela avec Radio Rawan Chaludo. Sans je suis faute de temps, on a deux journées pour analyser, je vais parler un peu vite avec mon ban choix. Je ne vais pas prendre en détail par rapport à ban analyse. Sinon, moi, mon, mon choix ici, c'est Triple fate Line, qui est très bien actuellement. Je vais mettre en première position, mon vais mettre anyway qui paraît assez maniable, qui est capable de suivre et qui faillant en ligne droite. Je vais en deuxième position, mon met mettre qui... Il me pensait que vous très bien avec un strong handing comme euh, Ryd et euh, Al Rams en 4 position. Euh, Silverman, choix dans les courses Vous pensez que Triple Fight Line pour les courses avoir hein, VONEWE et HALE Nous passons une indication là dans l'épreuve euh, principale. Là. Triple Fight Line il y a 180, HALE il y a 1000 roupies, Al Rams il y a 650 rupies, Arizona Silk 2500, il y a 250 et VONEWE. 620 euros la première course de la journée de samedi pour disputer sur 2200 mètres pour les chevaux du benchmark 36, n'y a que 5 portants. Snowy Mountain, Taking Silk, Nimitz, Liverpool Champ et Séoul Santos. Pour parler de cheval qui déjà sur 2400 mètres en Afrique du Sud, c'est Nimitz, c'est un véritable style. D'ailleurs, sa régularité plaît dans sa faveur. Il a une victoire sans aller il est en deux occasions. Il est très, très bien au niveau de ses conditions. Ce n'est pas une taille horse qu'on lui dit, où il y en a toujours eh, détenu sa belle forme-là. Et bon, répète, il a gagné 2400 mètres en Afrique du Sud. On ne parle pas de victoire de Nimitz. D'ailleurs, c'est un des moments top win of the day. Mm. De, il y a Nimitz, Mopmet, Liverpool, champ Troisième sortie en trois semaines. Et deux semaines de suite, tu as 2200 mètres. Morsi, il fait une escapade, tu vois là. Et, il est bien. Même malgré tout ce qu'il a loupé là, où, où il, a il paraît bien. Donc, sur régularité de ces de, de, de trois dernières sorties, quatre dernières sorties, plaît dans sa faveur. Donc, mon métier de second best de uh, Nimitz et à la troisième place, Taking Sale. On voit le point de victoire de Nimitz euh, par rapport à la distance. Euh, Liverpool Championship pour compte en ligne. Bon, euh, le fait troisième semaine de suite, il n'y a pas forcément évident. Mais c'est un bon, bon finisseur, je pense, pour conclure très fort. Mon métier en deuxième position, me métier euh, en troisième position. Uh, taking silk. Beaucoup, oh. beaucoup, beaucoup d'interrogations par rapport à Séoul. Mm. Beaucoup de gens disent que Séoul, 2200 mètres, un cheval qui, première fois, il perd l'eau, ça ne Il de mètres. Beaucoup, beaucoup de gens pensent, ils peuvent poser la question, comment il y a le 2200 mètres, ça c'est seulement l'entraîneur qui a répondu. Nous, malheureusement, nous pas pas répondu pour, pour L'entraîneur. Mm. Mm. C'est le même choix dans les limites, mais il limite, le un cheval euh, du lot, euh, surtout avec la ligne et, et ce, ce stamina. Euh, c'est le Céval qui m'a trouvé capable de faire des choses à l'écoute, ça c'est Snowy Mountain, il baisse beaucoup de classe. Ouais. Il n'est euh, euh, pas un pas beaucoup du tout, il fait une jolie écoute, soit à 1,5 à 1000 mètres malgré qu'il n'y en euh, pas beaucoup, complètement court, mais bon, bon, c'est Snowy Mountain qui est Nous passons à la deuxième course sur 990 mètres pour les coursiers de 026. Nous 10 pas autant un emergency Acceptor. Le premier, c'est Double Think, French Rebel, Hidden Identity, Yohomis, Mesusa Escape Plan. New Abbey, Poetic License, uh, Chesh Besh, uh, Fort McHenry et l'emergence Acceptor, c'est Quest for Good. C'est intéressant. Intéressante et ouverte. Ouais. La ligne plaide dans la faveur de Chesh Bech, le nouveau de l'écurie Alain Pedro et Fort McHenry qui poussait à le devant. Chesh Besh paraît qu'il n'a pas eu un rappel sur barrière Trail. C'est un cheval qui détient une forme appréciable et c'est un cheval qui galope trois fois. La fin de trois fois, il plaçait. C'est un bon signe. Non, tu expectes un good run for him, from him. Paul McHenry, Tong à nouveau, quatrième ligne, c'est un bon fond traîneur, il n'a pas même su de près du point de danger, il bien content au niveau de sa condition physique, pour mettre High Hidden Identity à la troisième place dans les combinaisons, c'est un cheval qui réalise des bons débuts, un Inési qui s'y fait bien comme prévu, et sans oublier aussi Double Think, malheureusement, la ligne pas pleine dans son faveur, mais il n'est pas cheval qui peut termine très très fort, qui a détenu un des meilleurs financières de cette course, c'est Double Think, pour mettre dans le dans les quartet. Une écosse très ouverte comme on dit à Par rapport à son performance d'hier il qui nous rappelle que Mezouza peut retourner après ben ennui, il n'est pas mal galopé à cette occasion. Bon, il n'y a aucun coup de mauvaise couleur, mais me penser que dans ce ce sens. Je peux lui accorder une top chance ici, Mezouza. Il est retourné boîte la dernière fois. Oui, un petit pas rien de très sérieux. Pour mettre en première position Médecins, je mettre en deuxième position Fort McHenry qui me pensait que le pourquoi le fait qu'il ait un bon couloir, il est capable de faire une bonne écousse. Attention à Fort McHenry. Je mettre en troisième position le nouveau chèche qui est très très chuchoté et en quatrième position Double Think. C'est le même chat. Une écousse bien ouverte. Je mets mettre béch par rapport à ligne faute Fort McHenry. Euh, Mes usages, parce qu qu'il euh, qu y a un cheval qui, surtout, c'est le fait qu'il y a un, rapide, y a un de poids. Il est rapide, il va penser des là. Et puis, double-think, malheureusement, nous gagnons pas la ligne. Le cheval est très très bien à l'entraînement. Je le ne a un très bon les courses de, course de mais j'espère je qu'il gagne une un bon chemin des courses. Si tel est le cas, il sera là. Et il me dit, dans la première course, euh, là. Snowy Mountain, il y a 2000 roupies. Taking c'est 380. Nimitz, à 200 roupies. Liverpool Champ, il a 230 roupies. Seoul il y a 2000 rupies. Sinon, par rapport à la cote de cette deuxième course, Double Think, il y a 200 rupies. Uh, French Rebel, le nouveau, uh, il y a 2500. Hidden Identity, il y a 550. Yohomis, il y a 800 rupies. Uh, Mezuza, il y a 400 rupies. Escape Plan, 2000 rupies. New Abbey, 1000 rupies. Political License, 2000 rupies. Chechbech Fabri, il y a 270 rupies. Et Fort McHenry, il y a 620 roupies. Nous passons à l'analyse de la troisième course sur 1365 mètres pour les chevaux de 0,25. Nous avons 7 portants O.M. le conseiller du Ricky du Duodeir, The Bastille, High Voltage, Instinctive Power, Bleu Royal et Al's Legacy Sandush. Bon pensez que vous avez a la les course Il hein? est menacé avec Eagle Vision la dernière fois face à Secret Circle deer, c'est une bonne chance. Dans la dernière fois, sur 990 mètres. C'était mission impossible face à l'Ilice Kiss, mais un bon parcours de DODR. Cette fois-ci, 1365 mètres. Premier nid, moins 3. Parcours de bonne chance. D'ailleurs, il m'a qui paraît prometteur. C'est un coucher de 4 ans qui réalise des débuts corrects, satisfaisants. Déjà, très Il n'improve avec cette course. Vous pouvez mettre lui à la deuxième place, à la troisième place, vous mettez un outsider, c'est instinctive power. Badly ridden last time out, ce n'est pas un cheval qui a besoin à 800 mètres en free wild, au contraire, c'est un cheval qui a un short burst. qui a au maximum avant de faire valoir son finish. C'est le jeu que Othara a montré, il pas de chance cette fois-ci, vous pensez, c'est un cheval qui a quand même cause la surprise, il peut dans les bonnes combinaisons, il pour compléter le coup à tête, le last time winner bleu royal qui malheureusement est tiré à la septième ligne. Je euh, suis bien content d'OHEMLAN oh, ici. Je pense que le petit business à l'écoute de rentrer là, pas que partie dans ce faveur, pour mieux l'écoute du jour. Je ne vais pas oublier qu'on a pris du sud une batte ONUKALANI. ONUKALANI, c'est un sujet qui est très chouette, mais malheureusement, il n'est pas dévoilé ici. Je vais mettre OHEMLAN. Il m'a mis uh, High Voltage. High Voltage, c'est difficile. Mais il m'a trouvé très très bien l'entraînement, une bien travail si il montre, il applique moins d'ordre, il est capable de faire une très bonne course à euh, high voltage. Euh, il est En troisième position, je prends euh, Instinctive Power, comme un centre chinois, une mauvaise euh, prestation la dernière fois, mais je pense que nous avons ignoré ce run. Je reprends ça. Et en quatrième position, je parle pour Duo ODR. C'est bon, euh, Muncha? Je pense que ça a bougé entre Instinctive Power et Duo vous avez un petit avantage en Unheimland parce qu'il y a une plus grosse marge de progression. Et des euh, Instinctive Power et de Une indication, la côte ici, euh, au Hemlane, y a 500 du 250. de Bastille, 200 opi, High voltage, à 450. Instinctive Power, il y a 200 hp. Blue Royal, 250. Et Legacy, c'est à euh, 600 hp. Euh. Sinon, la quatrième course euh, pour disputer, sur à 1500 mètres pour les chevaux de benchmark 46. Nous n'en pas autant. Le premier c'est Freedom of Speech, euh, Pop Icon, Jetstream, Yorktown, Town, Zulaki, Al Assi, Room Magic et Bonnie Prince. Non, Chad, Pop Icon, Al Assi et Bonnie Prince, Manchevaux rapide, with the pace. Donc, ce n'est pas une course qui peut fausser, c'est une course qui peut galoper, c'est une course qui peut rouler. Moi, je parle pour les meilleurs finisseurs de cette course. Je pense que les deux meilleurs finisseurs de cette course sont Jetstream et Freedom of Speech. Jetstream, la dernière fois en 41, a une victoire aisée, hein? une, une victoire insuffisante, et... une inaccélérée, une une décalée. C'est un choua complètement retrouvé Jetstream. Hein? Ce n'est pas Jetstream version 2021. Même si s'est gagné au début de saison l'année dernière, je pense que c'est un choua qui va évoluer en pleine confiance. Même dans 46, il demeure valable. Pas oublier, en 46, c'est fini. 4 la quatrième d'Airpop Icon, même s'il a pas gagné un passage ce jour-là. Nous avons aussi Freedom of Speed. Freedom of Speed, la dernière fois face à IT Factor, oui, est le super favori de la course. Il peut venir après un long break. Il peut venir après un long break de 1 mètres. Il s'est gagné de 1 mètres. Il peut venir après un long break de 1 mètres. C'est un désavantage. On a vu quelqu'un passer avec Haïki la semaine dernière. Il venir après un long break de 1850 850 mètres. C'est ça satisfaisant. Mais quand même ça, il finit second. Mon pensée, c'est est beaucoup plus fit, ce Freedom of Speed. Pour moi, c'est un gagnant potentiel dans les courses. Et pour là, il n'y pas même rapport de succès. Vous connaissez le chevaux de l'écriture, Samaraj Mahadia, Crache le feu en ce moment. Pourquoi pas Freedom of Speech? Freedom of Speech, Jetstream, à la troisième place pour, pour mettre contre Magic vu sa régularité. Et à la quatrième place, Pop Icon, qui est encore une fois pour essayer à le devant. Ça va être un peu plus compliqué cette fois-ci, mais Never Ignore et Last Time Winner. Moi aussi, je pense que les deux meilleurs finisseurs de la course, Jetstream et Freedom of Speech, moi, je peux accorder un mince avantage à Jetstream, euh, surtout qui, va façon ligne, la dernière fois. Euh, Ils ont très bonne forme, une très bien travail, mais bien content sur, sur les prestations d'entraînement. l'entraînement. Des limites de Freedom of Speech, moi, je peux accorder une, une chance, une petite chance à à la avec euh, la remise de Batchamia. Ce n'est pas forcément facile, mais je pense que c'est un bon trajet. Bon, avec ce premier couloir, moi pensez, les là je les pensais qu'il là, il ne pas pouvoir trop loin. Attention, il est capable de euh, chambouler un peu l'autre d'arriver à l'acier. Et qu'en quatrième position, on met le Lost Time Winner, Pop Icon. Euh, C'est vraiment un choix Je euh, pense qu'automatique, pour gagner euh, les circonstances de la course, on s'est dit qu'il pouvait dans vos Donc, définitivement chez il a ce sens. Faites-le dans vos fils, pour penser aussi des LI, Il a aussi pareil, dans ce sens. Vous bien content pour Pop Icon, Dernière fois, je pense qu'il avait gagné une courses euh, assez correcte. Il est récimé devant l'année de la séance. Donc, pour moi, Côte Magic Freedom of Speech et Icon. Une indication de la cote Freedom of Speech 250, Papa Icon il y a 700 Jetstream 450, Town 2500, Zola qui a 600 à Alacide 750, Côte Magic 280 et Bonnie Prince il y a 1400 rupies. Nous passons à la cinquième course euh, sur 1600 mètres pour les chevaux de catégorie B56. Nous en avons huit autant. Le premier, c'est Yo Pays on Mind, Dutch Alley, Battle of Allegiant, Gunstone, Tissy Kamadens, Backpacker, Kayden Spride et Prince of Penison. Les courses très intéressantes, en bon, Vous ne parle pas de victoire de Kayden Spride, encore une fois. Et 51 pour une 56, ce n'est pas un grand gap. Vous bon, pensez, moi, il reste une victoire. L'entourage même regagne confiance dans le coup est Là, on connaît un type tellement placé. Victoire type échappé. Victoire de Victor, 1850 mètres, une 1600 mètres. Il n'y a pas un gros problème avec Your Pace Gunston, Prince of Venice qui parle devant, peut-être. Mais on moins que Caden Spratt a fait l'assurance au finish. Ce danger principal pour moi, c'est un joueur qui me tape à l'œil, le d'accord avec moi, c'est Prince of Venice. Qui paraît très en verve, paraît très, 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 très bien en ce moment. Attention à un coup tactique de la part de Prince of Venice. Si les récits à le devant dans les courses à les de Danger. À la troisième place, je mets un coursier qui me trouve en progrès par rapport à ce dernier sorti, c'est Yo Pesso Il revigoré, paraît il paraît qu'il retrouve lui, Ce coating même, il improve, son allure. Attention à lui, surtout avec la première ligne. Kaden Sprite, Prince of Venice, Yo Pesso pour compléter le corps à tête, Je pour mettre le coursier de l'Ecclérimanga, City Kama Dance, la de la doublée de l'Ecérimanga avec son remise de 3 kilos. Santouche, euh, Prince of Venice, l'année dernière, tu as battu Kaden Sprite. Bon, ces 100 mètres-là, je fais moi tiquer quelque peu, mais je euh, pense que je vais bien faire une confiance aussi à Sam Mahadia. Je suis tout truc pro-lié avec Nickels et King Gain, ben, beaucoup allongé quand je vais penser à un sprinter. Bon, euh, Prince of Venice, très très bien, mais je suis bien content de l'année dernière, je suis un peu comme Outside, mais malheureusement, il n'y pas très de spécial devant. Je euh, pense qu'il est meilleur dans la course à l'avant et que s'il a adopté la bonne tactique, je pense qu'il est capable de tenir jusqu'au bout qui est c'est une des mains de qui me bien content, il y a une très bon finish, une très bon coursière il n'a pas une bonne compagnie en l'arc du sud, il me mettait en deuxième position mais pour moi, le voit de rallye pour pas une surprise du tout, en troisième position avec Gunstone et Yopé son main qui en progrès c'est même votre choix ici vu qu'il y a beaucoup de fonctionnaires dans les courses, vous pouvez faire vraiment un finisseur On pense que est pour gagner dans les courses, c'est comme un dense backpacker pour les LA. Une indication de la côte ici, Yopé Mine 400 roupies, Dutch Alley 750 roupies, Battle of Alisha 1400 Gunstone 800 roupies, Tissi Kamadens a 900 roupies, Backpacker il y a 1200 roupies, Kidens a 190 roupies et que Prince of Venice il y a 550 roupies. Euh, Nous passons à la 7 course sur 1400 mètres pour les chevaux du Benchmark 31, que 5 portants ici. Le premier, c'est Goldenstown, now Azmal, Well Connected et Smuts. Un petit champ, Sandouche. Un petit champ, à cause d'un petit champ que je parle pour Well Connected. cest si prend à prendre un départ plus correct. Je ne pas dire prendre un départ canon, mais cest si à pas ne pas perdre trop beaucoup de au départ. Je connais Roby Bikari, je bien avec Well Connected. Pourquoi pas Well Connected Il y a des, des Smuts. Vous persistez avec Smuts, je pense que c'est un choix qui vaut plus qu'il y a sur les dernières choses On était en un entraînement en challenge, irrépouçable, impeccable. Nous ne pas qu'on est équipé ouais. de avec Smuts, mais c'est des reproducteurs ce forme de en d'entraînement. Et puis là, à la troisième place, Golden Stone. Golden Stone, puis il a une chance dans les courses, il va aller devant, vous pensez, il va penser, il pas pour gagner la difficulté, puis il aller devant. Donc, vous à la troisième place pour compléter le coup à tête, il va au phase mal. Euh, Santos, je me parle pour le well Connector également, c'est un cours qui me bien de euh, compter. Malheureusement.. Je c'est qu'il y a pas petit de sépatif. dans les boîtes de départ, il perd plusieurs longueurs. Bon, si il perd une longueur, pas trop un gros obstacle pour lui. J'espère, que mon pensée, il bien conclure. Il y a les mauvais qui, bon, il est un peu erratique dans ce plan performance, mais il travaille très bien. Pourquoi pas me mettre en deuxième position et que me mettre en troisième position, Nauphas Mack, il me pensé, quand il pour devant, ici, il y a une très belle cote à jouer. On a pas mal. Attention, peut-être une chance pour Michel Ramana qui qu'il n'y ait aucun des courses ici. Jusqu'à présent, mais vous il qu'il y a une très bonne chance pour l'entraîneur. Et qu'en quatrième position, vous mettez Goldenstown Sylvain Je pense que Goldenstown parle du vent là-dedans et s'il amène les trains tranquillement dans ce sens. Après, je pense que ça va être connecté d'experts aussi une autre sens là-dedans. Donc Goldenstown va être connecté d'experts. Euh, une indication de la côte ici, Golden Star, un grand favori à 180 rupies, now small, il y a 550 rupies, Weimia, il y a 400 Well Connected, il y a 400 roupies. et Smuts, il y a 500 roupies. Passons passe à la dernière course au programme de la journée du samedi, euh, sur 650 mètres, pour les cheveux de 015, il y 10 Le premier c'est Barack Lavan, Big Smoke, Otax, Midnight Oracle, Italian Way, Rochester, Bypass, Cali Valrin et Jetpuff. Euh, ça plusieurs vieilles courses ici. Tout est possible dans cette course de 0,15. Jetpuff, la dernière fois, 0,26 dans le chat. Il a battu avec Global Spectrum. De plus peu, ça. Ouais. Donc sa performance, a, il a une chance. Big Smoke, c'est un cheval plus ou moins régulier qui a un très bon finish. La présence de plusieurs frontrunners. Avantage un petit peu Big Smoke qui peut terminer très très fort en ligne droite. C'est Donc, in with a winning chance. Big Smoke, il pour mettre Kalishim, qui ne nous pas écarté de ce dernier sorti, parce qu'il a une course bien difficile. Il y a aussi Bypass, qui entend dire, mais, mais avec Vincent. Il a fait une est un peu wide, mais il fait une course correcte. Il reste une valeur sûre. Rochester, je moi pose -moi une question, c'est 150 mètres, qui me pense un petit peu long. Moi, l'opinion. En tout cas, je une course très difficile à déchirer, euh, difficile aussi pour un choix. Dans le désordre, moi je parle pour Big Smoke, Rochester, Cali Champ et bypass. C'est même une choix. Bon, bien content te va de rare et cool ça. Bon, c'est avec ça qui te va bien dans la salle. que c'est le bien Après, vous pouvez mettre bypass et Rochester parce que c'est une bon bonne ligne parce qu'il y a une division pas trop simple. Mais quoi, on va rien de Une indication de la côte Baraklavan, il y a 2000 roupies, Big Smoke, il y a 600 roupies taxi a 1200 rupies, Midnight Oracle 2000 rupies, Italian 600 rupies, Rochester 500 rupies, euh, Bypass il a 450, Calais à a 1900 rupies, val à a 550 et Jetpuff a 670 rupies. Euh, voilà. Ça ne touche par rapport à la journée de samedi. Il y a une lecture pour... pour ajouter par rapport. Non, à... nous avons une top win pour la journée. Je parle pour les limite. Et un value bet, value bet pour dire uh, instinctive power, outsider plutôt, instinctive power, value bet. Un uh, deuxième top win pour pour triple fete line. et l'autre value bet c'est dans la dernière, c'est big smoke. Vous 600 cent, puis c'est un bon value bet. Donc deux top wins, tant chose je ne pas confusion, c'est limits et triple fete line. Mon Top win, moi, pour triple fete line, et que bon outsider. Moi, 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 moi content high voltage et que, une value bête, bon, une value bête, je pense, je parle pour mes usages dans la deuxième course. Euh, c'est bon, une top win. Vous pensez que top win, c'est triple fate line. Vous donnez outsiders, vous pensez que c'est une vente pour aller bien parce qu'il y a un c'est valable là-bas et que va rien dans la dernière course. Voilà pour la journée du, du, euh, du euh, samedi, nous passons à la journée de dimanche, euh, que euh, nous avons les courses. Euh, Diamond Golden Trophy. Diamond Golden Trophy, c'est une très bonne pousse. Diamond Trophy plutôt, pas Diamond Golden Trophy. Nous avons aussi Diamond Trophy. people Stuff Diamond Trophy. Nous avons 7 portants au départ sur 2200 mètres. Un prélude pour la Maiden. Nous avons 7 portants au Le premier c'est Al-Shiba. Nous avons Crank It Up, Patrol Officer absolutiste euh, Springman, The Dazzler et of War. Écoutez, Archiba improve le ce dernier sorti que d'ici vraiment décevant. Mais pas oublier le Tipedian Fer postérieur, ça roule en course, c'était dans le barbet Mais Ashiba c'est Ashiba c'est un sujet de classe qui peut très aller sur 2200 mètres. confie à Bernard Fedeb, nous peut better run this time. n'est pas mon favori pour la gagne. Avec 62 kilos, mais c'est un cheval qui commence à venir en forme au bon moment. Il a encore un mois devant lui, moins qu'un mois, trois semaines. Donc, c'est un des préparatoire, préparatoires où nous mettons comme ça. Je bon, bien content patrouille Patrol Officiel, ce dernier sorti. Je suis surprenant la dernière fois face à gatekeeper, un gatekeeper. C'est un Patrol Officiel retrouvé. connais un cheval, quand il y a un petit cheval champion, il y a une petite spécialité dans le, ouais. il a fait Il y a une mais Patois officier, ce dernier des courses, beaucoup de gens sont contents retour les, retour, la forme. Je pense que ça m'a permis de faire un bon travail avec Patois officier. Il m'a donné un travail de pour galoper sa 2200 mètres là. L'année 7e, il n'y pas de problème. Patois officier, c'est un joueur qui galope 6 dans les 300 derniers mètres. Moi, qu'on dit de bonnes chances. Absolutiste, moi, que je suis ce que je veux dire. Je pense qu'il manque un petit peu de fraîcheur, il galope un peu ces derniers temps. Moi, pensez, penser qu'il manque un petit peu de fraîcheur. J'espère qu'il donne moins tôt parce que, c'est un cheval qui m'a en visé pour la Galop Medén. Je ne suis pas content de cette fois-ci. Il a eu des meilleures chances à la dernière fois. Par contre, pour moi, un Dark Horse dans les courses, hein, c'est Springman. C'est un Ong B. Mais Springman, le saut de l'écoute avec Albigno Roy, il sera dangereux. S'il répète sa performance, -là, oh. mais tout dépendra de la prestation de Sonaram qui peut venir après, après une semaine de repos. Il va de tout cette fois-ci. Il va servir un petit peu d'intelligence. Il va servir maîtrise. Ouais. Il va servir de maîtrise bien. Le tactical move sera important. Quand le of War peut faire une meilleure course que la dernière fois. Je ne veux pas qu'on n'ait qu'il ne marche la dernière fois. Mais je vois là, je trouve que c'est une forme appréciable. Quand il est top 2200 mètres, je suis bien sceptique. Il y a un problème dans le chat 1850 mètres. Il ne faut pas s'accroître à des grandes chances. Je pense que 2200 mètres, c'est tout fort. C'est mon opinion. Ouais. Donc, je parle pour patrouilleur officier Je vais mettre Springman. Je vais mettre Al-Shabaab pour compléter le Quartet. Je vais mettre Absolutis. Euh, moi, moi aussi, je mo parle euh, du le patrouilleur vue officier Je pense qu'il mérite un succès. Le cheval de l'année 2020, malheureusement 2021, il pas de récit imposé, mais il pan pas de démérité avec plusieurs accessoires. Il démarre ce campagne 2022 avec pas une bonne prestation. Je rappelle qu'il passe sous la roulette de Sam Mahadia, mais pour faire les confiance, euh, Des les, moi, met, euh, à, il y une classe 6 un double vainqueur classique. Euh, moi, pour met, malgré ses 62 kilos, il pas à à ce top fond, mais il y a pour mise mise sur la classe et surtout la peau de BNF Fideb. En troisième position, vous mettez euh, Absolutis et en quatrième position, Council of War. Est-ce un choix dans les courses euh, de euh, Diamond Trophy ouais. Ouais. Moi aussi, je ne pense euh, pas trop que c'est une très bonne chance. Je pense Absolutis la dernière fois, je pensais euh, qu'il allait se tour avec lui. Je pensais que s'il avait gagné un soft lead, devant lui, il pourrait le payer. Je pense Sinon, je crois aussi que Council of War pourrait le payer bon les courses. Si M. Dabin a le rôle d'André de silva pour Montlis, c'est qui dit quoi de ce sens, donc vous les là. Nous passe une indication la côte dans les courses principales, à il y a 550 roupies, Cranky 650, Patrol Office Favre il y a 300 roupies, absolutis 320 roupies, Springman il y a 500 roupies, The 820 roupies, et Kinselevra 820 roupies. La première course sur euh, 1400 mètres euh, pour les chevaux des 0 n'y en a que 6 pas au départ, le premier c'est Dai Lavista, une Wild West à nouveau, et le nouveau seventh rule, Tigersbone, most of all I et Northern Rebel. Ça devient un champ moyen. Champ moyen, j'espère que Vichar Ramanan pour ce premier succès. Hein. Moi, c'est avoir ça secondaire Secondier je vais venir après une break, moi, un Scott, il a une chance. J'espère pour vous souhaiter pour Vishramanand qui a envie de hein, gagner ce premier succès comme entraîneur. Moi, été à la première passe, j'ai dit je vais mettre. Euh, Tiger's Bone qui a un bon finish. Nous avons aussi Noven Rebelle avec 52 kg, premier nick, qui a toujours la figure à l'arrivée pour compléter le Quartet. Le nouveau de l'écurie, est Mega, Daila Vista. Je euh, parle pour moi, ça vaut la Je pense, avec la remise de Takaïk, s'il a un bon trajet, il est capable bon de triompher, d'une une précieuse victoire, Richard Ramanan, et il Tiger's qui a un bon, Boon, est un bon finisseur. Pensez pour conclure honorablement. Euh, me mettez en deuxième position, mon mettez Dai La Vista qui, bon, il n'est pas gros, frappe-moi autant, mais il paraît en progrès. Mon pensez pour ses débuts, il est capable de sortir une bonne prestation. Et qu'en quatrième position, mon mettez euh, Northern Rebel qui est un sujet, bon, difficile à scanner, mais il a ce potentiel. Il ne vous pas oublié qu'il une bonne fiche sud-africaine à l'époque. Northern Rebel, il est capable de terminer dans le quartier. C'est vraiment une choix moi ça vous l'avez tout la course il y a un remise il y a un bonne ligne il y a un deuxième second troisième second aussi derrière les moments ça dénoue là parce qu'ils ne sont pas pas fameux terrible donc ça dénoue là s'ils étaient là quelque chose dans d'autres vous pouvez faire les courses donc moi ça vous l'avez vu derrière la vista wild wild une indication la cote dans la course d'ouverture derrière la vista à 550 wild wild 1000 roupies Seven rule, il y a 820 rupees, uh, Tiger's Bone 450, Most of All, I serve 200 rupees, et Northern Rebel, il y a 650 rupees. Uh, la deuxième course sur 1850 mètres uh, pour les chevaux de catégorie 025, uh, il y en a 6 pourtant. Le premier, c'est Eagle's Vision, uh, Into the Mystic, Carolina, Carolina Reaper, Supreme uh, Elevation, Mos Majestic Moon, uh, et uh, Slightly Scottish Sandwich. Vous ne parlez pas de victoire de Eagles Vision. d'ailleurs c'est mon top win of the day, tu un cheval. la performance de la dernière fois, c'est le Circle, à 400 mètres de l'arrivée, position qui peut galoper, en free wide, vous bon, pensez, il peut écraser en ligne droite, au contraire, il kept on going, bien agréablement, je suis appris par sa performance là. Il a également galopé dans une 38-81, réduit à une sprint, mais il a fait une très bonne performance, il peut monter en 1850 mètres, qui parle pas de problème. Et... C'est un choix qui est un qui a des 1850 ici, il aime bien faire. Il faille sauter secondaire high key. C'est un choix qui bat million de dollars même dans 0,25 l'année dernière. C'est un choix qui a un potentiel. Je suis bien content avec le Vision. Et Eagle's Vision a la première passe. D'ailleurs, il a mis Into the Mystique peut essayer un coup tactique encore une fois à l'avant. 1850 mètres, pas nécessairement son avantage. Car il a préféré un petit peu plus court, mais il a retourné seul devant pour mettre la deuxième place et la troisième place pour mettre Supreme Elevation qui vaut plus que ce qu'il a démontré la dernière fois. Pas bien, il finit à seulement 3 longueurs 20 de Hitman, même si à un moment, quand verrait que le film-là, vous lâche ce so mot en cause. Mais voilà, là paraît en up sur la montante. Un chant pas fameux, mais je pense que le meilleur du dossier, Eagle's Vision, avec la remise de Bachamia, je pense qu'il a toutes les cordes en main. Mon favori ici, c'est lui, lui euh, dans des impositions avec Into the Mystic, qui s'est lit devant l'époux les les très accrocheur. On met supprimer l'élevation qui est encore, PDC beaucoup euh, sur l'entourage. Et qu en quatrième position, bon, on met uh, Slati Scottish. C'est euh, le même choix. On pense Eagle Vision, pas capable de perdre ça les coussins. Hein. C'est vrai qu'il y a une galopée avant, c'était nettement supérieur. On va trouver comment je vais perdre ça. Donc, bon, on donner Eagle Vision. D'ailleurs, on pense à supprimer l'élevation dans ce sens. Et euh, peut-être Slati Scottish. On a une indication de la Côte, uh, Eagle Vision favori à 220 au PI, 300 au Carolina, Carolina Reaper, il y a 1200 roupies, Supreme Elevation, 600 roupies, Majestic Moon, il y a 1000 roupies et Slytherin Scottish, il y a 500 roupies. Nous passons à la troisième course, il y a 990 mètres pour les courses et le ben benchmark 36, nous n'en Le numéro 1, c'est Desert Boy, Shortcut, Captain Mike, Winter God, Good For You, et Ziggy Zaggy, Zuggy Sandush. un joli duel entre Desert Boy et Good For You. Desert Boy, c'est qu'un tour en sa la dernière fois. Mais il gagnait, mais il reste sur deux victoires. C'est un choix quand on est bien avec Bernard Fedéb, il maintient la bonne forme. Koufouliut, vous connaissez Oui, jockey fait l'appel, mais Joké sur la montée. très critiqué, c'était un montre médiocre la dernière fois, C'est un choix qui n'a pas de profit de sa ligne. Deuxième ligne, à un moment, il est en free ride, free ride. Bon, oublions, nous nous, nous concentrons sur les raléko. Ça moi, pensez, moi Koufou moi, vaut plus ce qu'il nous a démontré la dernière fois, Mon pensée à un nouveau duel entre Diesel et Koufouliut, arbitré par Shortcut, qui est dans la deuxième ligne. Mais si a le devant, encore une fois, ça va être un peu plus compliqué pour compléter qu le quartet. Captain Mike. Captain Mike, il est bien en Afrique du Sud, souvent il est en lead. C'est un joueur qui a une bonne gate speed. Il a été bien entraîné, il n'est pas super fort, mais il est bien. Sur si sa fraîcheur, il termine dans le quartet. En tout cas, je me suis bien content de la démarche de la dernière fois. Je pensais qu'il y a un meilleur Séval qui est des qu euh, Mais écoute, euh, le choix tactique est très important. Je pensais qu'il est le dans la course à l'avant. Je pense que si récit euh, adopter sa tactique là, pour difficile à la rattraper. Uh, coup de folie, mo dernier moment boy. Uh, Captain Mike, très bien content sur Spot ce su matin. Très facile. Maintenant, check se checker ce un peu davantage. Je me qui qu'avec ce premier couloir, Nishaltika qui tire bien coincé dans boîte, uh, si. Si uh, coup de folie, bon, il peut arriver. <laughs> Dimanche, mais euh, attention vois ce Captique Mike, malgré qu'il n'y a pas qu'on arrive au sommet de sa forme, mettez en troisième position et qu'il y a en quatrième position. Euh, c'est le même choix Pour bon, moi, c'est le meilleur cheval de la course, c'est faut lutter. Le fait que j'aurais de même, même, j'ai okay, la montre là. Je euh, pose une bonne question. Pour moi, les montres, c'est voilà, là, ça va là. Mais c'est le meilleur cheval de la course. Ça reste le meilleur cheval de la course. Et allez-vous mettre un shortcut avec Dizzy Boy La, course, de euh, la course dans, les courses, euh, dans ce sprint court là, Dizzy Boy, il a 280. Chaud 280 également, Captain Mike il y a 550, Wintergold il y a 1200 roupies et que Coup euh, de a 300 roupies et que Sigizagizugi il y a 600 roupies. Euh, la quatrième course sur 1400 mètres pour les cheveux de Benchmark 51, il y en a six Le premier c'est Footy Gold, Sidance, Donan qui King of Tara, Puyen Disguise et Cloud Sidel, le récent vainqueur. Bon, en bas, c'est vous avez en tête au classement, il peut profiter d'un six-string, hein, de 17 chevaux. Il mm. n'est pas évident pour lui, mais quand même, il si peut tracer. Si il permet Cloud Sidel dans 50, les 51, il a besoin d'un argument solide, un argument valable. Hein. Si Cloud Sidel est touche le devant, il n'est pas pour facile de rappeler, même dans la classe, il n'y a pas de champ. Ou pas de danse, au pas de danse, Il très très bien, puis il n'y aucun signe de fatigue. Je prends un Paris, je prends Cloud Side, même dans 51, je mets à la première place. à la deuxième place, je mets Sidan, ça à la troisième place, dedans à la quatrième place, Footy Gold. Bon, Sandouche, euh, Cloud Side, effectivement, le matin, un me Ouais, donc tu vas que mon pli bien. Ouais, très joyeux, puis rentrer à l'écurie. Ce n'est pas M. qui peut contrer les, ouais. les côtés, il me oui. dit, oui. maman. <rire> <rire> mais euh, récemment, bon benchmark 51, peut-être que je suis un peu pessimiste. Vous non, <laughs> le, quand je Non, je ne <laughs> <je suis> pas, <laughs> pire, je ouais tu je ne vois pas, <laughs> million de dollars mais, mais million de dollars <laughs> de nous raison voilà. en ce voilà mais je dont la dernière course reste euh, très... Bon, mais une ligne vis-à-vis de de Nan, je pense qu'il vaut beaucoup plus que cela. Et bien sûr, on me met Cloud Cider par rapport à ce poids et sur la ligne, sur Belfort, on me va mettre en quatrième position. C'est bon On ouais. parle de victoire de Footy de Eagle euh, devant Nan et Sidance. Footy Eagle, il y a 280 RP. Sidance, euh, il y a 330 RP. Donan, il y a 370 RP. King of 1000 roupies, Brilliant Disguise Outside 2000 roupies et Cloud City à 450 roupies. Nous passons à la cinquième course sur 990 mètres pour les chevaux du Benchmark 46. Nous avons 6 portants. Le premier c'est Secret of Maya, Bye Bye Rocket, Baluchi, Kendall Cove, Captain of the Sea et Great Stephen. And Est-ce que vous pensez à un match uh, Bye Bye Rocket, Kendall Cove? Possiblement, mais c'est moins l'avantage de la ligne, c'est Bye Bye Rocket, c'est si devant, ce sera difficile à battre, Kendall Cove, quelle sera sa tactique, quand il y est avec Ali Aliosen, tu peux mettre beaucoup de pression loin de Cove, hein, tu peux insister tout le temps, il est en rapidité ça, hein. la dernière fois, même si quand elle bosse, il y a des courses, remarquez que Kendall Cove, c'est plus challenger dans la course mm -hmm. à l'avant, après il est écrasé, mais Bye Bye Rocket, la ligne il plaît dans sa faveur, Bye, Bye Bye Rocket, Kendall Cove, compète le TSC bon pour mettre le nouveau de l'écurie, euh, Vicky Roy, un cheval qui... Il y a un one-time wheel, sur 1000 mètres, c'est un joueur qui a un bon finish, il y a jolies conditions aussi, mais donc vous mettez à la troisième place. Je euh, vois pas premier tour de Kendall Cove, c'est un coup de qui est capable de faire la course avant même suivre. Nous mettons en deuxième position, Bye-bye Roquette, Bye-bye Roquette, P1-8, qui était boitée la dernière fois. C'est un coup course délicat, mais euh, valable à ce meilleur niveau, définitivement. Je vais Rocket en deuxième position toutefois. En troisième position, je suis bien content de Baluchi. Je pense qu'il pourrait bien ici au choix de Moss. En bon, quatrième position, Captain of the Sea. C'est euh, bon Je euh, pense que euh, Bye Bye Rocket et Candle Cove est la meilleure à À moins qu'ils aient tous les dés, décide ne pas le devant. Dans ce cas-là, la essence Captain of the Sea peut augmenter parce que je pense qu'ils déposent des dés. Donc Bye Rocket, Candle Cove et Captain of the Sea. La cote ici, euh, Secret of Maya, il y a 2000 roupies. Bye Bye Rocket, 200 roupies. Baluchi a 400 il euh, y a 300 roupies. Captain of the Sith, 600 roupies et uh, Great Stubanen, y a 400 roupies. La septième course euh, au programme sur 1500 mètres pour les chevaux de 026, nous avons 7 portants. Traveling Men, Béni des Dieux, Unbelievable Lad, Oxford Blue, Giratorio, Egnik Macode et Volatile Energy. Vous bien content de Giratorio? Deux sorties sur 990 mètres. Il pour rougir de rougir deux de fait là, chaque fois qu'il a battu moins de skills de longueur. 500 mètres, meilleur pour lui. C'est là qu'il doit nettement améliorer. Je pense que c'est time for pour lui de se battre. Je c'est un coup qui est dans ma haute espèce. Il est décevant en dernière, mais je trouve qu'il est mieux ces derniers temps. Je faire confiance à dire à toi. D'ailleurs, il est en place de béni des dieux. Tout ce travail avec les pacifiers mardi, un galop en solitaire. Intéressant. C'est bien appliqué. Pen hanging, hein, out, bien appliqué. un bon signe. Première ligne à son avantage pour bon, mettre Beni des Dieux à la troisième place. Pour bon, mettre un outsider au Kso de Blue qui me pensait fit enough to run a good race et à la quatrième place Travelling Man. La septième ligne oui mais avec Nichol Tia septième ligne là il est capable, et capable et contourne son problème de septième ligne donc on va à la quatrième place. Je, me, je me suis même bien content euh, l'entraînement de Beni des Dieux avec les pacifiers euh, nous tout connaissons comment il était content je suis sur la tête beaucoup mais façon ligne travail très bons enfants comme tu je euh, pense qu'avec euh, le jogging Mojang, il a une bon couloir Pacifier. S'il répète même prestation que l'entraînement, il y a un bon parcours avec ce premier couloir. Je pense qu'il est capable de euh, remporter le succès. Et là, il, a qui, bon, il y a un peu de girato. Il a groupe PDC une certaine façon, mais il est là. Je pense le parcours du jour mieux pour lui. Je pense qu'il est capable éventuellement de dominer le des dieux si il euh, est euh, le coup est de 2 qui mes choix que Troisième position, Mette Oxford Blue et quatrième position, Travelling Man, qui est toujours au pays à la recherche de ce premier succès ici. C'est vraiment un choix. Vous pensez, Sadekous, il est a a beaucoup de bons affaires de sa faveur. NDPBS de classe. Après, il y a un bon couloir. Après, le fait que les adversaires sont prenables. Je suis d'accord avec Santos qui est à Toyo. Peut-être qu'il y a un hard nut to clock ici. Mais le problème, c'est qu'il est joué à Toyo pour en et tout. non Avec sa cinquième couloir, c'est joué à Toyo. Je ne pense pas du tout. Il peut pas capable de faire 20 tournes, non bien. À moins qu'il soit au bord, il n'y ait pas de cover, là, il est plus correct. Mais ben, il est déjà lié dans le premier coup de doigt, il est plus au so chit, il est plus à t'en. Vous pensez, il est plus, plus près. Il finit sur les courses en 35 secondes. Vous euh, bon, pensez, s'il si euh, si euh, comporte bien avant les courses, et pas pendant les courses, parce qu'il y a un Seva qui comporte mal parfois avant les courses et pendant les courses aussi, vous pensez qu'il a, a tout chance pour, pour gagner sur les courses. Je ne bon, pense pas qu'il y a un Seva qui me s'aggrave de 0,26. Donc, vous pensez qu'il est déclassé à ce niveau. Mais faut moi, il n'est pas exceptionnel. Hein. Il y a dit bien, il travaille bien mais qui si 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 tu fais un travail exceptionnel monsieur tu deviens banquier avec ça. Ce qui, ce, ce, ce ça, tout ça d'accord mais c'est juste au 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 potentiel tout qui ouais. Ouais. Que quand le PTP dépend ne pense pas beaucoup de venir développer cette affaire là qui commence ces quitte l'écurie là bas c'est un changement d'environnement il y en de... De, 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 de il a beaucoup qui ne qui peut-être pas profond bien parce qu'il y a un changement d'environnement de là quand même le matin nous prenons le noir là bas et un en de même une fois tu s'appelle et tout donc, mm -hmm. il n'y a pas d'incidence sur ce balances de parce qu'il y a de nouveau l'environnement et parfois il est un petit peu stressé. Etc. Okay. Une indication de la cote, Traveling Man, il y a de 3, 280, euh, 280 rupies. Bénie des dieux, il y a 350 rupies. Unbelievable, il y a 200 rupies. Oxford, 1400 rupies. Curatorio, 260 rupies. Edding Macot il y a 200 rupies. Et Volatile Energy, il y a 500 rupies. La dernière course sur 1600 mètres pour les chevaux de Benchmark 41, 6 portants. Le premier c'est Moschino, Lemon Dropshot, uh, Desert Illusion, Haiky, Chapter Verse et Grimson God. Santosh, je suis content Haiky. Je pensez si bizarre la à les de la dernière fois. Là. ni mieux. Haiky, Desert Illusion, qui pourrait essayer à le devant avec Grimson God, Linkers, First Time, Première Nuit. Je suis content de Desert Illusion en course à l'avant. Si y a le devant, il n'y a pas de danger. La course, est là dans une superbe forme. À troisième place, on mettre Crimson God, qui est trouvé format forme appréciable. Il prend la première ligne, mais Blinkers, est-ce qu'il n'est pas trop kid, il n'est pas pour tirer avec sa Blinkers à l'ONCE à 100 mètres Je me vraiment une question, mais il n'est pas capable de terminer dans le tiers A À la quatrième place, on mettre Lemon Dropshot. Shot. pour Lemon Dropshot, je pense qu'il veut veut beaucoup plus lourd qu'il démontrait jusqu'ici. Il est régulier, il est régulier, il est Dolly. très très Dans l'île, je pense qu'il est capable de dominer le champ. Je me content de lui, je me fais confiance c'est je vais mettre Mosquino qui était vraiment la dernière fois mais peut-être ce sera la bonne cette fois-ci. Je vais mettre en deuxième position, je vais mettre uh, Haiki en troisième position qui ki... reste dans une très belle forme toujours et qu'en quatrième position, Dizet Illusion il le retrouve à l'avant. C'est vraiment un choix ici. Pour moi le meilleur cheval de la course, c'est Dizet Illusion. Pour moi c'est, il a tout pour gagner sur les courses, c'est à casse de charades, monte à son meilleur niveau. Mais à niveau de charade, vous pouvez vous dire. Donc, vous pensez, vous pensez, les bisagens, ça, les coussins. Crimson God, un good challenger là, pareil, comme un haïkie. Vous pensez, les études. Ce truc, il paraît, du coup, devant l'étude. Si, devant, il y a des coussins, vous pensez, les gars, les coussins. Une indication de sa DN et coussins, Mesquinu, il y a 330 rupies, Lemon Drop Shot, il y a 500 rupies, 17 Illusion, il y a 600 rupies, 600 rupies, 17 Illusion, Haiki il y a 250. Chapter 12, c'est toujours des 200 vendus 100 roupies et Crimson God, il y a 400 roupies. Voilà, pour l'analyse de cette 20e journée, la journée dominicale, Santache, Top Win, Outsider. Mon Top Win, c'est Eagles Vision, Value Bet, uh, Cloud Seeder, notre Value Bet, c'est Diratorio. Mon Top Win, c'est Eagles Vision, et Bénédicte et Outsider, bon, euh... bon, on pas uniquement les Bugaloupés, mais pour ce début, mais si coûte pour lui... Pas adopter la bonne tactique, pas devant. Vous euh, pensez que la Capitaine Mike est capable d'éventuellement euh, remporter le succès malgré qu'il pas au top de sa forme euh, Et que c'est bon, votre point de la week-end, c'est Eagle Vision. Pourquoi Personne ne bat les alent. Euh, moi, je vous donne le béni des dieux euh, parce que vous pensez qu'il a une très bonne chance. Donc voilà, nous finissons finir avec les analyses de samedi et dimanche. Vous connaissez le chef de fils de mon affaire, Naouchad, je compte en place sac Nous donnons une plé sac pour la journée samedi et dimanche et nous une petite question pour Selvom. Et pour la journée de samedi, Place Accumulator qui commence dans la deuxième course, Naouchad, moi, je parle pour le 10, Fort McHenry. Moi, pour Mesusa. Dans l'autre épreuve, je parle pour le de 2, du Odea. Je parle pour euh, le numéro... Numéro 1, La quatrième course, on parle pour le 1, Freedom of Speech. On parle pour Jetstream, dedans. Dans la course après, c'est-à-dire la cinquième course, on parle pour le 7, Cadence Pride. Également, Cadence Pride, ici. Dans la sixième course, on parle pour le 1, Triple Fate Line. On parle pour Vohenayoui. Pour la journée de samedi, la septième course, Point Place Accumulator, on parle pour le 4, Well Connected. Pour le numéro 2, Naofasmal. Dans la dernière, pour la journée de samedi, pour un place 5 Militaire, je parle pour Big Smoke dans la 8 Très difficile parle pour un play Big Smoke également. Allez, dans chat, pour la journée de dimanche, pour un play 5 et je choisis les courses ou -y la prochaine. Dans la deuxième course, je moi, moi parle pour Eagles Vision. Dans la troisième. Dans la troisième, je parle pour Good Foliot. Dans la quatrième course, je parle pour Cloud Cider. Dans la cinquième. Dans la cinquième, je parle pour Kendakov. Dans la sixième course, je parle pour Patrol Officer. Dans la septième, béni des dieux. Et dans la dernière, je parle pour Haiki. Voilà, nous, nous finissons faire le tour de la journée de samedi et dimanche comme invité sur le plateau. Nous dans Selvom Moutien-Selvom. Et comment ça se passe avec Smojan est et satisfait jusqu'à l'heure Comment ce pot gatekeeper, nous trouvons ce matin travaille sur deux tours et je crois que c'était une grande source de satisfaction de Gatekeeper. Oui, oui, oui. The, the, the gatekeeper, le Gatekeeper, c'était un qui m'a découvert à l'écurie, parce qu'on l'a avant. Euh, nous ne commençons pas la première fois qu'il y a eu l'île, et il descend, il n'y a pas pour get over the horse » il dit pour continuer à entendre Svala, il n'y a pas pour les spéciales parce que le parce qu'il y a eu le Svala. Depuis sa Zoula, il y a eu le Soubou, programme y a eu programme pour qu'il y ait C'est ce déjà C'est déjà écrit, c'est déjà planifié, qu'il y ait c'est 118, 1850, 150 après midi Uh, Et il fait l'impasse au 2200 mètres. L'impasse de 2200 mètres, c'est ce bouquin, ça n'a pas coulé pour lui, c'était planifié. Et par rapport à cela, il ne peut pas ce cheval pour Médène. Première fois, il parle de 2400 mètres, il a 2200 mètres là-bas. Il y un cheval qui va là, il y a un bon cheval là-bas, mais qui va ne pas faire un combat a besoin. ce que c'est de ce cheval là, comme on ce il ce dit les doigts. Il dit même que j'ai manqué de conseiller ce garçon. Et d'ailleurs, dernière fois, moi, pourquoi c'est des autres qui ne me pas trop contents pendant les courses quand ils restent au bord comme ça Parce que tout le temps, les jamaïcains ne sont pas contents à galoper. Mais ils connaissent qui tiennent en bas parce qu'ils sont virés, ils ont des idées de travail, c'est qu'ils ont des courses. Donc, tout ce qu'ils m'ont espéré, c'est que c'est Valla qui est un Il n'est pas aussi facile que beaucoup de monde peut penser. Il n'est pas aussi simple aussi. C'est un qui ne dit pas de premier fois 2400 mètres. Ils ne doivent pas connaître s'il bout de tirer, s'il est bout tirer ou s'il est de à la distance ou pas. Enfin, nous pensons qu'il est bout à la distance, mais c'est Valla qui pourrait nous. Tout ce que je souhaité, c'est qu'il y ait ce gain, parce que pour moi, c'est une grosse honnête qui qui vit à Maurice. Vous savez, c'est moi qui fais les frais. je ne suis pas un multimillionnaire. je ne garde pas une une salaire énorme. Je donne un salaire qui qui est agréable au départ, qui qui pas un petit salaire quand même. Et si tu nous faisais pris en charge de ce salaire Marie qui sinon il est retardé. Ouais, c'était mon choix. c'était mon choix, pas m'en dire c'est un des première. Ok, sinon les premiers qui nous à Maurice nous ne gagnons pas problème parce qu'il est cous, pas pour go, no go, etc. Pour démarrer, pas pour démarrer. Après, nous avons commençons à gagner problème parce qu'il nous va se valer. C'est déjà après. Pourquoi ça ne te plusieurs fois Parce que toi, nous le monde Maroula, une blessé blessée. Après, et après, lui, beaucoup se valent une blessée. Il y en a beaucoup de courses qui nous Pour moi, nous gagner. Il y avait une bonne semaine dernière. Le 2012, c'était un banqueur pour moi. Avant ça, désertif. Le 1850, c'était un banqueur. Malheureusement, c'est Valamo. L'an de dans l'année nous a rentré dans le programme. Nous avons eu beaucoup de malchance cette saison. Euh, par rapport à Thierry mogent je connais beaucoup de gens qui ont été critiqués avant. Les critiques ont diminué, bien sûr, avec les victoires qu'il a eues. Mais euh, si vous me pose une question, combien de victoires il y a eu Combien de victoires il y a eu dans la infirmerie Et combien de victoires il y a eu dans la si vous me demande qui est le plus bon joueur, c'est Benoît Fedeb ou Thiers-Mogent. Tout le monde dit Benoît Fedeb. Mais il y a un string of horses qui est là-bas. Bon okay, uh, Et il y a string of horses qui est là Il y a plus de victoires que Benoît <subs> Fedeb. Pour moi, l'IP réalise un très bon parcours. Malgré qui. Bon, mais il n'a pas gagné cette victoire, vous êtes à Économiquement, il n'est pas viable. Plutôt que d'en jouer, peut gagner ça comme les coups. Mais mon mitman, j'ai un challenge pour de mal jusqu'à la fin de la saison. J'espère que je vais réussir. Financièrement, l'IP n'est pas si facile. Mais heureusement, qu'il nous a gagné quelques victoires, ça et la côté suis bien confiant. est bien confiant. Le premier sortie, la cote, pour moi, mon y a ou mon 4 personnes, y compris pour des modestes, c'est valéré un problème parce qu'il est 800. puis est de 800. Il Alors qu'il est occupé d'un moyen donc, c'est l'avantage qu'il me connaît comme comme mon de ma jockey. Ça semaine-là, moi, je suis extra-confiant avec Kaman. C'est sans mettre beaucoup de monde en doute. Moi, je suis extra-confiant. Le jockey, je suis content qu'il des Si jamais, une très bonne chance. Mais ce n'est pas un banker pour lui. Pour moi, c'était un banker. Et voilà. Le fait qu'il qu'il ait le jockey avec moi, nous travaillons avec ça souvent. Et Soubou aussi, il me donne une instruction gagnante. Le fait qu'il y ait un jockey étranger, il est un gros l'avantage parce qu'il connaît ses balles. Et il peut écouter toi parce qu'il te pépé quand même. Donc les y a une grande avantage, on connaît la différence que Jean-Michel a, envoyé deux années de cela, que Benzo qui est en train de se ce c'est pas eux qui vont monter dans les courses. Très souvent, il ne pas ils ne pas comprendre ces il ils ne pas comprendre ces valers. Si tu as envie de connaître la différence, Alget la monte de Thierry Besançon sur Amann à 1600 mètres. Amann est galopé enfin à 1600 mètres avant avec un autre jockey. Alget la monte, il get sa la monte. Alors vous vous la différence. Moi, pour moi, tout le temps où je patente que vous savez galoper à 1600 mètres, la cause de un jockey qui fait une mauvaise monte. Jamais Jean-Michel pas mettre de 600 mètres et toujours vous n'êtes que ces valers qui n'ont pas 1600 mètres. Donc pour moi, je suis moi satisfait que m'en amène parce qu'il est honnête, moi gagne tout feedback qui me donne. Le paris de l'homme c'est val, le bal des autres c'est val aussi. Et moi je dis que quand moi dans les je dis c'est dans moi je dis c'est dans moi Donc financièrement je pas moi pas perdre beaucoup grâce parce que quand nous payons man de victoire je paye paye quand même jouer, paye peux paye aussi. Donc en propriété vous êtes hey, dépend de betting? Non effectivement, right. Parce uh, que le le money est toujours Il a a il a qui uh, me mm, fait faire le stax money. Nous continuons uh, ça continuer <Pepper>

Il y a un soulagement pour ce propriétaire. Ouais, et de semaine prochaine, nous sommes le Lightning Cup, nous ouais. get le Steaks Money de la Lightning Cup. 000 300 000 Et là, nous avons le Diamond Golden Trophy. Nous check un coup. Ce n'est pas mauvais. À hein, première place, 300 000, 000 pour un groupe 2. Ce n'est pas mauvais. Il y a énormément de groupes. Et, et non, il y a énormément de qui peuvent faire. Espérer qu'ils aient pour efforts Parce qu'il n'est pas évident. Pour qu'il te gagne meilleur meilleur, c'est bien le meilleur produit. Porske zo jizou nou pe denen prodwi euh, euh, ipik ki pa en prodwi sa ouais. que... ouais, ouais. de kalite. Nou pe nan, nou nan, ket man de kous, menm kan PTP organize kon nou sepozi nan pli vikou partan, nou pe gen man de kous avek 5 partan, 6 partan. E nou pe gen man de kous, ket kon man de kous yike lwi joun, mwa, 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 an tanki poryez, an yon mwou ze denan de kous sa, paski mwou konen nan yon sel seval ki ta geni. E sa sezon la nan beko seval pe repete osi, peski... E mwou, 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 mwou,

donc, le 21e jour, le Lightning Cup, que nous prenons certainement, les bons chevaux comme Cottelbus, My Fate, et donc Warrior King et peut-être Emerald Ben qui pourra en piste pour sa un joli sprint de la semaine prochaine. Là. Je suis assuré, passez une très, très bonne soirée. Donc, euh, focus sur le week-end des courses, surtout dimanche, avec Diamond Trophy sur 2200 mètres, même si la quantité n'y est pas, mais la qualité, il est. Donc, nous nous expect un, un très, joli course. Je suis assuré, passez une très bonne soirée et à très bientôt. TANTA <laughs>